Maseret de Bametzia, résumé du Daf Ain. La Gemara ici traite le cas de quelqu'un qui veut louer son bateau en disant au locataire que si le bateau il se casse, c'est le locataire qui doit payer. Et si il se casse pas, il continue à lui payer son loyer. Et Rav a dit que c'est permis de faire ça. La Gemara demande comment c'est permis si le locataire est responsable si le bateau il se casse, c'est en fait considéré donc comme un prêt. Et puisqu'il a emprunté, il n'a pas le droit de lui ajouter un loyer dessus. C'est limite. Répond la Gemara, c'est vrai, mais puisque il y a des pertes que c'est le propriétaire qui subit. Si le bateau il se casse, c'est le locataire. Mais s'il s'abîme un peu, il s'use un peu, il se dévalorise un peu, c'est le propriétaire qui subit. Donc c'est plus considéré ici comme un prêt. C'est pas que il lui a emprunté l'autre, le locataire, c'est pas qu'il lui a emprunté le bateau, en lui disant voilà, je t'emprunte maintenant, ce bateau là, il vaut combien? 10 000? Je t'emprunte les 10 000 du bateau et je te paye un loyer là-dessus. Ça aurait été interdit. C'est pas le cas. C'est que ici le bateau finalement il valait 10 000, il lui rend un bateau au bout d'un an qui vaut plus que 8 500. Et il n'a pas à lui compléter les 1 500 qui manquent. Il lui paye le loyer au fur et à mesure, ça c'est permis. La Gemara dit encore, l'argent des Yétomim, on a droit de le prêter avec intérêt. La Gemara dit, comment est-ce possible de permettre une interdiction à des Yétomim alors qu'ils sont, il n'y a aucune raison de leur permettre le Issour Ribit. Répond la Gemara. La Gemara dit d'abord, d'où est-ce qu'on avait conclu cette halakha? En fait, elle est sortie d'une histoire où Shmuel avait pris un chaudron de Yétomim, de cuivre, et il le louait aux gens. Il faisait payer les gens l'usure, plus le loyer. C'est-à-dire, s'il y avait une perte dans le poids de la matière du cuivre, les gens devaient payer le cuivre, et au-delà de, et sinon ils devaient payer aussi le loyer. Et donc, la Gemara comprenait que, au début, de déduire de là que c'est permis de prêter avec intérêt, parce que si tu me dis que le locataire, il est responsable de la, du prix du capital, c'est qu'il a emprunté. Et s'il a emprunté, pourquoi il devrait payer un loyer? C'est ribite. La Gemara repousse et dit non, il y a ici une usure que le locataire ne paye pas. C'est-à-dire, puisque le cuivre, il noircit, il s'abîme avec le feu, même si ça ne se ressent pas dans le poids, il y a ici une perte dans la valeur du cuivre qui n'est pas payée. Et ça, c'est les Yétomim qui subissent. Donc, c'est pas ribite. Puisqu'il subit, ce n'est pas un prêt, c'est un loyer, on a le droit de louer, donc il n'y a pas de problème ici de ribit. La Gemara dit encore, de toute façon, Rav Shechet il dit, on a le droit de prêter l'argent des Yétomim dans un système où la perte elle est sur le locataire et les bénéfices aux Yétomim. On a le droit de faire ce système-là qui, en général, est interdit. Parce qu'on a considéré ça comme un prêt. Et si c'est un prêt, pourquoi il devrait gagner les bénéfices? Mais puisque c'est interdit que Midi Rabbanan, alors pour les Yétomim, les Chachamim ont autorisé. La Gemara dit que ce système-là, d'ailleurs, celui qui le fait, c'est un rachat. Nous avons, en fait, les deux extrêmes et les deux lignes du milieu. L'extrême où quelqu'un dit, écoute, si ça s'abîme, tu payes. Si ça gagne, je prends. C'est un rachat, c'est des intérêts. Enfin, je prends, ça veut dire on se partage. Même ça, c'est interdit, c'est un rachat. Si il lui dit le contraire, ça s'abîme, je subis. Et si ça gagne, tu prends. C'est un chassid, il fait une bonne tzedaka. Si maintenant il lui dit, écoute, si ça s'abîme, que ça s'abîme ou que ça gagne, c'est pour moi. Ou bien le contraire, que ça s'abîme ou que ça gagne, c'est pour toi. Ça, c'est l'habitude normale des gens, l'habitude de tous les gens. La Gemara revient donc aux Yétomim. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des Yétomim? Garder l'argent des Yétomim dans un bed-din et leur donner peu à peu, c'est vrai que l'argent ne va pas être gaspillé, mais ça va se terminer un jour ou l'autre. Donc comment on fait? Il faut trouver un homme qui est riche, un homme qui on sait qu'il aura les moyens de payer en cas de perte, et on va lui confier l'argent des Yétomim en lui donnant toute responsabilité de perte et en profitant des bénéfices en partie, et ça, ce sera permis. Un homme honnête, la Gemara donne quelques
simanim pour reconnaître un homme honnête. En tout cas, ce sera permis exceptionnellement pour des yétomim. Mishnah suivante. On n'a pas le droit de recevoir des biens de fer d'un juif. Bien de fer, ça veut dire, ça ne veut pas dire bien faire, bien faisant, non. Bien en fer, F-E-R. C'est-à-dire, il lui dit comme ça. Donne-moi tes biens, je vais en faire des affaires. T'inquiète pas, c'est fort, ça, ton capital ne va pas s'abîmer, il est comme du fer, j'en suis responsable. La somme, le prix que ça vaut aujourd'hui, je te rendrai de toute façon. Et tant que je ne t'ai pas payé, tant que je t'ai pas rendu le capital, je te paye un loyer, je te paye des bénéfices. Ça s'interdit pour un juif parce que c'est comme un prêt avec des intérêts. Puisqu'il est responsable de la somme du capital, donc c'est comme un prêt avec des intérêts. D'un goy, c'est permis. De manière générale, on peut prêter ou emprunter d'un goy avec intérêt. Pareil pour un ger toshav qui est un goy qui habite parmi nous et qui ne fait pas avodah zara. La Mishnah termine en traitant le cas d'un juif qui prête l'argent d'un goy à un autre juif avec intérêt. Dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit. Ça sera plus développé dans l'heure suivant. Le Gemara revient au système de Tson Barzel, donc des biens en fer. Des biens en fer, c'est interdit de ce système-là, il est interdit avec, par rapport à un juif où il dit « écoute, je te rendrai le capital de toute façon et je te paye entre-temps le loyer ». Et donc finalement, c'est considéré que c'est l'emprunteur qui est propriétaire maintenant puisque tu le rends responsable entièrement à tel point que tu dis « c'est comme un vrai prêt, il lui rendra de l'argent et pas forcément le bien lui-même mais son équivalent ». Donc on devrait considérer ici l'emprunteur comme le propriétaire. Or, nous avons appris ailleurs une Mishnah qui dit que si j'ai pris d'un goy ses moutons, dans ces conditions-là, je lui dis voilà, ton troupeau il vaut 10 000, je te rendrai 10 000. Et entre-temps, il a eu des petits, des nouveau-nés, il n'y a pas de kedusha du Bechor. C'est que donc tu considères le goy ici, le propriétaire, comme étant le propriétaire même alariquement. Donc s'il est propriétaire, on devrait dire que s'il est propriétaire, il mérite un loyer. Si c'est un prêt, il n'est pas propriétaire, donc il y a une kedusha de Bechor. Donc notre Mishnah chez nous, elle contredit la Mishnah de Bechor. Notre Mishnah chez nous qui considère l'emprunteur comme étant le responsable, le propriétaire, devrait dire que si j'ai pris maintenant ça d'un goy, il y aurait une kedusha de Bechor pour les nouveau-nés. Or la Mishnah là-bas ne dit pas comme ça, elle dit que non, il n'y a pas de kedusha de Bechor. La Gemara donne deux réponses. Première réponse, Abaye. Abaye dit, il faut distinguer entre le cas où le goy, le propriétaire, il est responsable des pertes ou pas. Notre Mishnah parle d'un cas où le premier propriétaire n'est pas responsable du tout des pertes. La Mishnah, à propos de Bechor, parle du cas où le goy est quand même responsable des pertes. Deuxième réponse, Rava, qui dit que en réalité, c'est sûr que le propriétaire n'est pas responsable du tout des pertes. On appelle ça bien des biens en fer. Donc, le propriétaire n'est pas responsable des pertes du tout. Simplement, la raison pour laquelle il n'est pas tour du Bechor, le juif, il n'est pas tour du Bechor, parce que quand même, le goy, il a un pouvoir, il a une main sur ses moutons. Si le juif ne lui paye pas, le goy va reprendre ses moutons. S'il ne les trouve pas, il prendra leurs petits. Donc, non seulement eux-mêmes ne sont pas tour de Bechor, les brebis qu'il a reçues du goy n'auront pas, leur premier n'aura pas de kedusha de Bechor, mais même les petits de ces brebis-là, qui auront ensuite des petits, eh bien, n'auront pas non plus de kedusha de Bechor. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même la main du goy ici au milieu qui peut se permettre de prendre au cas où le juif ne lui paye pas. Le Gemara continue et ramène un passage qui dit, celui qui s'enrichit avec d'argent d'intérêt, de ribit, son argent sera perdu, elle va passer chez les goyim. Il va passer chez les goyim. Le Gemara dit, mais pourtant on a appris que c'est permis de prêter, d'emprunter avec intérêt au goyim. Le Gemara même ramène un passage, mais le Gemara repousse finalement le passage. En tout cas, le Gemara dit, mais on a le droit de prêter à un goy avec intérêt. Répond le Gemara, hein. Première réponse, à condition que le juif n'a pas de quoi vivre. Mais plus que ça, c'est interdit. De s'enrichir, c'est interdit. Deuxième réponse, pour un Talmid Chacham, c'est permis. Parce que le Talmid Chacham ne va pas devenir l'ami du goy, il ne va pas prendre de lui mauvais exemple. Mais un homme qui n'est pas Talmid Chacham n'aura pas le droit donc de prêter à un goy avec intérêt, de peur qu'il prenne de lui mauvais exemple.